etc. La gendarmerie était d'ailleurs cette année son anniversaire et c'est cet hélicoptère, c'est véritablement un hélicoptère de travail aérien et de soutien aux populations. C'est le H145 d'Airbus Hélicoptère, un hélicoptère de classe 4 tonnes, biturbine, évidemment pour un maximum de fiabilité, puisque son autre domaine de prédilection, au-delà du contexte urbain dont on va parler à l'instant, c'est la montagne. Et là, je pense que cet hélicoptère pèse à peu près 2 tonnes de plus, et on a beaucoup plus de place à l'arrière, on peut embarquer 5 passagers. En fonction de la configuration, évidemment, là, vous savez que pour avoir monté un treuil, on a retiré au moins 2 sièges. Mais on peut se reconfigurer assez facilement pour aller exécuter une nouvelle mission. Les brigades cynophiles dans les gendarmeries, elles vont avoir différents usages. Elles vont rechercher des stupéfiants dans des aéroports, elles vont toujours dans des aéroports rechercher des traces d'explosifs, si jamais il y avait des personnes dans un situation hostile. Et ces chiens, qui sont les véritables moments de la difficulté encore d'apprendre. On va l'embarquer à bord d'un hélicoptère et on va lui apprendre à être attaché avec un baudrier pour se faire lui aussi treuiller avec le matelas. Voler est un verbe qui vous plaît à tous et aujourd'hui voler avec cette démonstration. C'est un verbe qui se conjugue également.